Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Street Fighter. Et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ma progression, là où j'en suis. J'ai actuellement 3 jours de jeu, même si aujourd'hui j'ai pas encore commencé mon farming. Donc on peut dire que je suis à 2 jours de jeu en soi. Alors, déjà je suis au chapitre 840, où actuellement le chapitre 840, je vais pas vous mentir, il est super, super, super difficile. Il y a vraiment un power creep de fou malade. Donc voilà, là je suis actuellement bloqué. Je vais voir si je peux réussir à le passer aujourd'hui en testant des strats, etc. Mais pour l'instant, c'est compliqué. La team que j'utilise, c'est actuellement celle-ci, d'accord. J'utilise Madryu, Zangief, Guy en S+. Et je change, soit je mets Chun-Li, soit je mets Elena, tout dépend de ce dont j'ai besoin. Et après, j'ai ces autres personnages-là que j'utilise beaucoup moins, mais qui sont quand même dans la box. Donc, voilà pour la box. Ensuite, au niveau de l'arène, bon, c'est pas très intéressant à regarder. On va plus partir sur l'exploration. Alors, il faut que je fasse ma ville de Shadaloo aujourd'hui. Il faut absolument que je fasse ça. Il faut que je fasse ma tour. Que j'essaye d'aller jusqu'à l'étage 150, pardon. Parce que à l'étage 150, on peut récupérer une récompense. Pas piquer des hannetons. On va pas se mentir. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va dans événements, randonneur. Là, vous voyez que si on atteint le 1140, on a ces récompenses juste ici. Je vais pas vous mentir que ça, les gars, c'est un truc de malade mental. Donc il y a ça, et quand vous êtes à l'étage 150, vous gagnez des gemmes, 4000 boules violettes et 800, alors je sais pas encore à quoi ça sert ce truc là, mais ça voilà, ça peut être obtenable largement. Donc là aujourd'hui on va essayer de rush ça, et puis voilà. Au niveau des multis, je peux vous faire 2-3 multis, tiens, d'ailleurs on va se faire 2-3 multis, là on a des invocations de dispo. Tac tac tac, recrutement. On a quelques invoques à faire. On va se faire ça vite fait. On a 2 multis à se faire. Oh, ça drop. On a eu quoi? On a eu un Guy, c'est parfait. On pourra le monter encore plus prochainement. Ah, je fais la single pour juste compléter ça là. On a rien drop, normal. Logique. Hop. Et on fait notre dernière x10. Ouais, là on obtient des pierres. Alors je sais pas à quoi ça sert exactement encore ça, mais je pense que ça va servir dans le futur. Ah, petite multi. On a rien drop. Dommage. Ok. Bon, on a eu un petit Guy, ça fait plaisir. Ça fait plaisir la famille. Hop, on récupère ça. Donc voilà un petit peu l'avancée. Sur mon compte, clairement cette team là les gars, Madryu, alors là j'ai Zangief, ça, vous pouvez clairement jouer avec un autre tank. Je pense surtout par exemple à Bisangief qui est beaucoup plus fort, Abel qui est vraiment puissant aussi. Vous avez quoi comme tank aussi puissant? Tio qui fait l'affaire, Makoto, bon c'est pas foufou mais ça, pareil ça fait l'affaire. Voilà, vous utilisez un peu un tank où lequel vous avez le plus de doublons et normalement tout se passera bien. Guy, je le joue parce que j'ai énormément de doublons sur lui et il me permet de DPS la backlane de façon assez forte. Hein. Donc je l'utilise comme personnage en DPS backlane. Avec Madryu, ça fait clairement l'affaire. Et j'utilise bien sûr Chun-Li pour les boosts qu'elle donne et pour ses dégâts. Et voilà, comme je disais, je joue Elena s'il y a vraiment besoin de heal. Et voilà, ma team, ça fait surtout ces 4 personnages-là. Là. En soutien, bah souvent je mets Elena avec Poison par exemple. Comme ça me fait 4 persos électriques et 2 persos au vent. Donc voilà. Après là, les teams, c'est vraiment par rapport à votre box. Hein. C'est vraiment personnel à vous. Mais sinon, tous les chapitres, je les ai passés avec cette team-là et c'est passé large. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Voilà, le plus important, c'est surtout de montrer le point suprême. Ainsi que l'exploration.
Et bah voilà, on sera en live sur Twitch à partir de 14h ce 2 mars aujourd'hui. On va push toute la journée un peu du contenu. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. C'est la façon la meilleure façon de me soutenir gratuitement. Donc n'hésitez pas. Et mettre la cloche et bien sûr, ça fait toujours plaisir. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens finalement qui regardent la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, et ils sont pas forcément en follow à la chaîne. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est ça que j'ai à vous dire. Donc voilà, après, je vois des gens qui font des vidéos. Le petit follow Twitch, ça fait plaisir. Je vois des gens qui font des vidéos sur comment passer tel chapitre ou tel chapitre. Franchement, c'est un peu du bullshit parce que c'est vraiment par rapport à votre box. Donc si vraiment vous galérez à passer un niveau, encore une fois, rejoignez le serveur Discord. On est déjà plus de... je regarde ça. On est actuellement plus de 160 personnes à avoir rejoint le serveur Discord et avoir pris le rôle Street Fighter, donc on est vraiment pas mal de joueurs FR à jouer sur le pas mal de joueurs français sur le serveur Discord à jouer à Street Fighter, donc n'hésitez pas à rejoindre. C'est la meilleure façon qu'on peut vous aider que de vous faire une vidéo toute bête où je vous dis jouez ça, et au final ça va pas marcher parce que voilà, on n'a pas la même box quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez que je fasse du contenu spécifique sur Street Fighter, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Vous dites ça dans les commentaires et puis on voit ça. Je sais pas si vous avez mis le code cadeau, mais le code cadeau c'est SFD top 1. N'hésitez pas à l'introduire aussi. Et puis ici je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo sur les des tips de débutants, mais j'en parle un peu dans mon guide ultime, donc c'est pas forcément pertinent de faire ça. Mais voilà, franchement déjà montez votre Madryu et puis ça devrait faire l'affaire quoi. Ça devrait faire l'affaire. Je vous fais des oubis, je vous dis à la prochaine. C'était Nimoulou, le boss, des boss de tous les boss. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ah si, bientôt vidéo tier list, mais sur une vraie tier list cette fois. Voilà. Je voulais vous le dire, j'ai failli oublier. Je vous balance une petite vidéo tier list bientôt. Mais cette fois sur une vraie tier list, parce que bon, les tier list Google, ça va quoi. Ça va 5 minutes. Ça va. Allez, ciao.